Oh, pff, la spéciale ours ouzbek, le Tatsu neutral. Tiens, il y a un Ryu, tu veux dire. Honnêtement, je saurais pas donner les. Je saurais pas dire comment se passe le match-up. Je pense que le Luma est horrible pour Ryu. En fait, je pense que le Luma, pour la focus, pour Ryu, par contre là. Oh, il a été sauvé par la plateforme. Ok, le Tatsu. Ouf. Il a tenté d'aller le chercher au dernier du genre Yu. Bon, le up smash. Oh, le back air. Il aura pas réussi à virer le Luma entre temps, mais. Le backer qui va l'envoyer très très loin, et le prochain, on pense que, je pense que ça peut être le kill vraiment. Oh, le backer, est-ce qu'il peut remonter? Non, il remonte pas. Il s'était fait cramer son saut, il remonte pas. Ouais. Oh, la Tatsu dans le neutral, et qui va tuer. Ça va être chaud, mais il y a peut-être un petit souci de DI, un petit souci de DI là-dessus. Oh, la focus entre le Luma et le... Oh, oh, j'avoue. Oh, par contre. Oh non. Il y a eu Rosa qui a réussi à s'escape de ça. C'est dommage parce qu'on était vraiment haut. Kimed. Iron qui a lâché un Kimed dans le neutral. Le Shoryu pour Contest, pourquoi pas. Oh, la dernière, le dernier hit du... Et là c'est dangereux, hein. Rosalina pour contrôler le stage, c'est horrible. Alors, le dernier du nerf qu'il a envoyé offstage, c'est vraiment cruel. Oh, ça trade, est-ce qu'il peut remonter? Non. Zéro Mika. Ah, c'est déjà la winner finale. Atis, c'est déjà la winner finale là. Ah, il go sur un Mars. Il a essayé de jouer Mars pour alors c'est. Let's go. Oh, heureusement que ça l'a envoyé du mauvais côté parce qu'il aurait pu mourir là-dessus. En tout cas, je pense pas qu'il revenait. Bon, le Lumac est out, maintenant il faut trouver les bons pourcents, comme ça par exemple. Ok, Omika remonte aussi, ça c'était une petite phase off-stage, c'était un peu... ça aurait pu tourner mal, hein. Les deux côtés. Bizarrement, personne n'est mort là-dessus, genre... alors que les deux auraient pu. Oh, et le spacing sur la get up roll, il avait ri de la get up roll. Encore une fois, on cover la get up avec...
avec les aériens de Marth qui cover beaucoup de surface. Nair dans le shield, pas puni par Omika, il n'y avait pas de Luma. Donc quand il n'y a pas de Luma, on préfère jouer safe. Ce qui est logique. La get up, la normal get up. La get up attaque, pardon, qui est pas punie. Et c'est marrant comment Aeron joue avec les plateformes, vraiment se déplacer sur les plateformes pour éviter de jouer latéralement contre Luma et limite il prend des coups par le switch, c'est cher qu'on connaît. Ok, c'est tech. Très bonne tech d'Aeron. Elle est clutch celle-là. Celle-là a été nécessaire pour le. Elle a été nécessaire pour le bon déroulement de la game. Il est quelle heure ? Ciao. Et la première stock est trouvée par Aeron, ça se passe un peu mieux que. Oh, par contre là, la hitbox. Cette hitbox de Danner qui pardonne pas, hein, qui va envoyer Aeron dans les tréfonds de Battlefield. Et maintenant, tout est à refaire pour Aeron. Hein. C'est-à-dire qu'il a pas pu lead sur un avantage. Et Omika qui contrôle tellement bien le stage au moment de la. Oh, par contre, ça c'est pas tech. Par contre, ça c'est pas tech pour Aeron. Et deuxième game pour Omika, c'est dommage, ça partait mieux. Et est-ce que Aeron va rester sur son Marth ? On sait pas. Bah, t'as pas vu la première game. La première stock c'était mieux. Omika qui sort le Amphinobi. Il a train avec Elex. On sent qu'il a train avec Elex. Otio Tacos. D'après toi, ça donne quoi Bowser en Shinobi? Vraiment? Ok. Ah oui! Oui, bah oui, ça se tient. Oui, bah le coup pas. Ouais, c'est vrai qu'il a une très grande range donc. Il est pas tant affecté par un nerf ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, je vois. Oh, le nerf pour. Le nerf en couverture. Et je pense que le prochain, c'est avec la rage. Il est mort à 72 la dernière. Là, il est dans la fenêtre. Oh. Si il dit eye out, c'est pas du tout un. Ok. Et là bon, on est clairement sorti des pourcents et le backer il va le chercher loin ce backer pour le sortir. Mais je pense que du coup sans la rage il est re-rentré dans la fenêtre. Oula, c'était quoi ça? Ouais. Ah, c'est risqué ce genre d'option. Il est très cheesy son buzzer. Non mais je comprends. Ah, et encore une fois, là, ça celui-là je pense pas que ce soit un missing putain. Oh, le smash. Ouh. Oh la vache. Waouh. Ok, ça va.
Il s'en sort. Là, Aaron a pris une... Non. Alors, oui et non, parce que... Il faut l'être... Oh, c'était chelou comme... Tout ce qui se passe est parfaitement normal. Ah donc du coup il retourne sur le premier match-up en fait. En fait on a eu 4 matchs, 3 match-up. Bah oui, le Ryu. Enfin le Bowser pardon. Et Umika qui a pas fait de vieux ans, hein, qui est revenu sur sa waifu. Non je... Il veut pas hein, d'ailleurs, il joue que en... Ah il a frappé le ballon, bon. Ah bon? D'accord, ça donne des options de mouvement donc. Je sais pas. Oh ce nerf Ah dommage, il avait peur de se faire dans nerf, au final il a un peu trop delay et ouais un peu trop deep. Et Omika qui a l'air plutôt bien dans cette seconde game hein. Dans cette quatrième game pardon. Ouais. Ah bon? D'accord. Ah oui, quand même. Ah, c'est fini sur le Shoryu, tu penses? Ok. Oh, par contre, ça aurait pu... Ouais, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, contre l'humain, je peux pas faire plus. Voilà, c'est ça. C'est... Dans ma tête, c'était ça, mais oui. Le Shoryu, le Tatsu neutral, ouais, il est validé celui-là. Aaron qui perd peut-être un peu patience là. Non, bah il a raison, Stanley. Oui. Ouf. Par contre celui-là. Encore une fois hein, le spacing. Oh, j'ai pas pu finir ma phrase. Ça va trop vite Rosalina quand c'est comme ça. Harmonie et